À 7h, à 6h35 sur Europe 1, on parle de sport. Le Grand Prix de Formule 1 est de retour à Singapour. 17e manche du championnat du monde et c'est Charles Leclerc qui s'élancera cet après-midi à la première place devant le pilote Red Bull Sergio Perez. Charles Leclerc qui a réussi une séance de qualification incroyable hier, Christophe Filcoq. Exactement, c'est bien le Monégasque qui partira en tête pour la 9e fois de la saison et pourtant le résultat aurait pu être tout autre sans une grosse erreur de l'écurie Red Bull. Alors que Max Verstappen allait s'offrir la pole, son écurie lui a ordonné de rentrer au stand pour un manque d'essence dans sa voiture, une erreur qui a fait sortir de ses gonds le pilote Red Bull avec, vous allez l'entendre, un langage fleuri. What the f***? Voilà, pas besoin de traduction, le Néerlandais partira à la 8e place. En revanche, particulièrement à l'aise sur cette piste, Lewis Hamilton et Fernando Alonso se classent respectivement 3e et 5e. Carlos Sainz s'intercale à la 4e place. Fortune diverse pour nos Français puisque Esteban Ocon partira à la 18e position. Mais Pierre Gasly lui est parvenu à signer le 7e temps. Le Français satisfait du résultat au micro de Canal+. Ah, franchement, c'était cool. C'était pas simple à l'intérieur de la voiture, mais vraiment très satisfait de cette qualif. C'était encore des conditions un peu changeantes et on sait que dans ces conditions-là, il y a toujours quelque chose à faire et on a réussi à le faire. Et puis à noter que les qualifications ont pris fin de manière précoce pour George Russell. Le pilote Mercedes s'élancera à une inhabituelle 11e position. Christopher Filcoq pour Europe 1. Le départ du Grand Prix est prévu cet après-midi à 14h.